besoin genre de se parler pour se comprendre et tout. Ouais. Comme tout se fait automatiquement. Vivre avec sa meilleure amie, je dirais, c'est ça, ouais. C'est comme ma meilleure amie un peu, là. Comme on est tout le temps ensemble, comme vraiment tout le temps. Fait que, tu sais, si j'avais pas une jumelle, je me sentirais vraiment seule. C'est comme ton meilleur ami pour de vrai. Ouais. Comme, il est toujours là pour toi, genre. Peut-être le fait de se faire poser trop de questions à... Ah, mais comme, c'est pas énervant d'habitude des jumeaux, mais lui, il parle trop. Non, lui, il parle trop. Moi, je dirais que parfois, les gens nous considèrent comme une personne. On est tout le temps étiquetés les jumelles. Si elle a fait quelque chose, ben, c'est considéré que moi, je l'avais fait aussi. C'est le fait que, comme, il te ressemble dans presque toutes tes caractéristiques. Fait que c'est comme si tu vois deux fois la même personne, mais tu sais que c'est pas toi. C'est juste ça. Si, genre, moi, je veux, comme, faire des amis, puis c'est, comme, juste moi. Comme, c'est un peu difficile, tu sais. Mais là, je t'empêche pas. Non, je sais, mais c'est juste, on est comme... Deux. On arrive en paquet. Ouais, c'est ça. C'est comme un deux pour un tout le temps. Lui, c'est souvent fait passer pour moi. Et après, comme la personne, elle vient, me texte et me dit « Yo, nanana, par rapport à ce que je t'ai dit. » Là, je t'ai dit « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Puis là, c'est toujours comme ça. Après, à la moi, fin, même moi, quand je fais ça, je m'amuse. C'est juste pour rire, c'est tout. Ouais. Quand il le faut, ouais. Quand il le faut. Ouais. Mais ça dépend pourquoi, mais sinon, ouais. On l'a déjà fait. Surtout pour l'école. Ouais. Je pense que c'était une fois, genre, au primaire, tu sais, quand on était dans les rangs. Oui! Comme les rangs quand la cloche sonne. Moi, j'étais allée dans son rang. Mais là, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son rang, c'est comme, je sais pas, fait chicaner ou quelque chose. Fallait attendre pendant comme 5 minutes. Ah, donc, ouais. Moi, j'étais poignée à faire la punition à sa place. Et moi, j'ai pu aller jouer au soccer. Une fois, il a eu 85 dans un examen que moi, j'étais pas sous faire. Et là, je lui dis, on va faire mon examen. Il me dit non. Mais je lui dis, tu connais déjà comme tes erreurs et tout. Va faire mon examen, il me dit non. Pas qu'on est au courant. Peut-être que tu dis mal, puis comme indirectement. C'est... Ouais, mais pas. C'est passé, mais pas à ce qu'on sache. C'est jamais arrivé, genre, ah, oh, j'ai mal. Ah, oh, est-ce que t'as quelque chose? Non. Non, mais pas. C'est pas genre douleur, je vais frapper comme directement, je vais sentir. Tu vois, quand je me suis cassé la cheville, ça ne sera pas senti vraiment. Je ne vais pas sentir. Je ne vais pas sentir. J'étais dans ma chambre en haut, puis Fanny pleurait en bas. Puis je l'ai juste su qu'elle pleurait, comme je ne t'ai même pas entendue. Mm. Puis j'ai descendu, puis je l'ai vu pleurer. Ça ne va pas être la douleur physique. Mais exemple, je ne sais pas, elle se blesse. C'est sûr que, genre, c'est plus émotionnellement. Genre, si je la vois pleurer, je pense que c'est impossible que je pleure pas. Douleur, ça, je sais pas, mais émotion, sentiment, ça peut être, ouais. Mais comme, c'est par rapport aux émotions. Je pense que c'est les émotions. C'est comme, si genre, il voit que je suis triste, ou comme, il va le sentir, sans même que je lui dise un truc, ou comme, même si j'essaie de le cacher, il va le savoir. Oui et non. Ben oui, oh, ben oui. Exact. Ça c'est sûr. Ça c'est... Depuis tout petit même. On se contredit pas là-dessus. Ouais. Des fois, comme ça peut ne pas nous avantager, mais des fois ça nous avantage. Non. Mmh, alors, je chiale souvent sur le terrain et ça aide pas. C'est un crime. Ouais, c'est un crime. On peut jamais nous mettre ensemble. Par exemple, on va dire des deux contre deux et tout, ça vient naturellement. Genre, on sait où l'autre veut que tu lui donnes ou parce qu'on est habitué de jouer ensemble, ouais. Quand on fait des bons coups, moi je te dis comme bravo. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est 50-50. Le prof, elle a remarqué qu'on se ressemblait, mais on n'avait pas le même nom de famille. Cela, je lui ai dit, madame, si je vous raconte l'histoire, vous n'allez pas me croire. Donc, du coup, je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit, en fait, c'est que sa mère, c'est la jumelle de ma mère. Donc, du coup, comme quand des jumelles et des jumeaux font des enfants, ils obtiennent d'autres enfants qui vont se ressembler. Et ça, elle a gobé ça toute la session. Quand t'es bébé, on avait un langage que personne comprenait sauf nous deux. Quelqu'un va dire, on est de dos, quelqu'un va dire Amanda, mais moi je me tourne quand même. Il y a des gens qui nous demandent genre pourquoi tu t'es tournée, mais parce que parfois je me dis, bon, peut-être ils se sont trompés. Ouais, on va se tourner au cas où. Des fois là, quand là quelqu'un là t'appelle, en même temps il dit Jordan, moi là je fais exprès de me retourner pour faire comme si c'était moi Jordan. Puis là la personne, quand Jordan se retourne, elle regarde nous deux. Puis là elle est juste comme, ben lequel des deux est Jordan? Fait que nous deux on dit moi. Mais on fait exprès, mais comme, c'est juste drôle, genre. Si je sais que, comme,
la personne qui va m'appeler, moi, genre, je suis pas trop proche avec elle, je vais même pas me retourner. Mais c'est pas pour être méchant. Je vais aller voir la personne, je vais savoir qu'est-ce qu'elle veut. Et on dirait à un certain moment, si comme ça m'intéresse pas trop, ou c'est pas mes affaires. Il va dire c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. À la dernière minute, tout le monde veut dire c'est pas moi. On dit souvent les mêmes mots en même temps. Ouais, ça, souvent on pense à la même chose. À un moment donné, on était avec notre ami, puis là on a dit genre un paragraphe en même temps. Damn.